Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, le monde de la musique est en deuil. Cette semaine, c'est dur. Même ceux qui n'aimaient pas son travail, même ceux qui le connaissaient mal, tout le monde, voilà, c'était un grand artiste. Il a toujours été impressionnant. Il a toujours trouvé ses moyens de diffuser des choses qui étaient, qui nous ont, ouais, c'était une claque à chaque apparition, quoi. Voilà. Et je pense évidemment à Joe Star. Oh le bâtard, et Prince, on n'en parle pas. Si, mais c'est moins rigolo que Joe Star quand même. Ouais, d'accord, vous avez vu la claque de Joe Star et Gilles Vernez. Oh là là, moi j'étais surpris, je croyais qu'il tapait que les singes. Mais même lui, il était surpris, il a enlevé la perruque, il a fait « Oh merde, il y a un être humain en dessous. » Désolé, oh, c'était marrant ce truc-là. En même temps, j'ai regardé les images et honnêtement, il lui a pas mis une claque. Non, je crois qu'il lui a fait une caresse, moi je crois. Bah, c'est Joe Star, l'échelle c'est pas la même, tu vois. Tout est plus fort chez Joe Star. À mon avis, quand il te fout une claque, il te fout une vraie grosse claque. Genre le mec, il te fait un bisou, c'est BAH! Je t'aime. Tu vois, c'est ça, je me dis, c'est pas possible. Et en même temps, je suis assez d'accord avec Joe Star. Enfin, c'est-à-dire, je suis assez d'accord. Je vais pas justifier sa violence, moi je trouve ça stupide. La violence, c'est le dernier refuge de l'incompétence. Mais là, ils sont allés le chercher dans sa loge quand même. Bah, c'est-à-dire, tu sais très bien qu'un incendie, tu vas te brûler, tu vois. T'es pas obligé de courir à poil au milieu en faisant « Bah oui, c'est ça, je me brûle, bah voilà. » Mais Joe Star, c'est pareil, il faut pas le traiter dans un cas comme ça comme un être humain. Faut le traiter comme une catastrophe naturelle, tu vois. C'est là, et faut pas t'en approcher. Et surtout pas lui faire un bisou, c'est quoi cette idée? Mec, il envoie faire un bisou. On a tous eu envie de faire des bisous un jour, ok? Imagine, t'as très envie de faire un bisou. Est-ce que le premier visage qui te vient, c'est celui de Joe Star? Non, des fois tu vois des bébés, tu vois « Oh, les bonnes joujoux, ça c'est des bonnes joujoux à bisous !» Tu vois. Mais Joe Star, tu fais « Oh, les bonnes dents !» Ça c'est des bonnes dents à se faire bouffer la gueule, ça. Tu peux faire pas toucher, même Gilles Verdez, même lui, il y croyait pas. C'est « Va faire un bisou, t'es sûr, là ?» Sans déconner, les gars, avec toute l'équipe derrière. « Mets une perruque !» Là, c'est marrant, voilà. Avec la perruque, ça passe, je te jure. Remarque, cela dit, ça peut être marrant, mais moi je pense qu'en fait, il s'est trompé de cible. Il est là le vrai truc, c'est comme nous, ça nous arrive. Moi des fois, je suis avec mon fils dans la rue, puis je vois un petit chien, je fais « Oh, il est mignon le petit chien, tu vas aller caresser le petit chien ?» Puis des fois, ben, c'est un pitbull, donc là, ben, tu le laisses tranquille, « Tu vas aller caresser, déguise-toi en nonos, tu vas voir, c'est rigolo. » Et t'es vite. Eh ouais, je l'ai jamais joué, hein, du coup. C'est marrant parce qu'il y a eu ce vieux doute collectif, je sens que tout le monde a fait « c'est long, là. Hein. » On a déjà vu des silences, mais là... Il doit attendre la meuf qui gerbe. Et l'autre derrière. Je ne reviendrai pas. Bon, bon. Ça se trouve, elle s'est noyée dans sa propre. Oh non, je vais trop loin. Pardon. C'est même plus un rire. Oh. Ouais, non, là, on a trop parlé d'elle. Et en vrai, il faudrait que je lui file un cachet quand même. Mais un vrai cachet, pas un truc pour qu'elle guérisse. Mais vraiment, je trouve qu'elle a fait la moitié du spectacle ce soir. Et elle mérite amplement d'être sur l'affiche, d'accord? Elle s'appelle comment? Camille. Oui, c'était à toi que je parlais. Parce que j'ai senti un décalage. Du coup, je regarde ton cul, donc moi, je sais pas. Camille, eh ben, tu la remercieras, Camille, parce que quand même, elle a assuré ce soir. Hein. Vraiment, si vous êtes malade, venez voir mon spectacle. Du coup, j'ai des bonnes blagues préparées. Il semblerait que c'est très bien. Donc, qu'est-ce que je... Ouais, bah, je suis con, parce que je parle en même temps. Donc, du coup, évidemment... C'est bien, les trous de texte. Mais quand t'as un trou de texte et tu dois le retrouver en même temps que tu racontes des trucs à des gens qui rigolent, bon, bah, c'est mort. Hein. On va envoyer des gens chercher des Mac Morning. On va passer la nuit ici. Ça sert à rien de lutter. On est bien en même temps, non? Oui, mais il y a des limites quand même. C'est un peu trop. Attends, je réfléchis. Je prends 2 secondes. Ouais, ça je sais, c'est le sujet, merci. La baguette! Si, c'est bien la baguette, c'est marrant. Oui, c'est Joe Star, merci. Ah non, c'est Cyril Hanouna. C'était ça l'idée d'après. Et... oui, on... Et donc tu nous dis quand on rigole, sinon on voudrait pas t'embêter. Mais là, il n'y a pas de blague, hein. Toujours pas. Toujours pas. Si, en vrai, c'est ça, c'est que le truc, moi, j'ai la réaction de tout le monde. En fait, c'est parti sur les réseaux à toute vitesse, c'était numéro 1 des hashtags monde. Je dis, putain, les mecs aux États-Unis, pourquoi je fais des Mongols? C'est les Américains, ils devaient pas du tout parler comme ça. Bon, on s'en branle, cette blague était nulle, on l'enlève. Mais vraiment, il y a eu... Mais non! On l'aimait bien, tu l'as juste raté! Eh ben, tant pis, elle est que pour vous, voilà, sur Internet, t'as raté une bonne blague.
C'était... Bah non, tu l'as pas raté, parce que du coup, j'ai... Ah putain, comment je vais gérer ça? Ça va être encore long. Ce que je veux dire, c'est que c'est parti en flèche. Même Hanouna, il a pété un plomb. Vous avez vu sa réaction derrière? Il a fait « Eh, si ça continue, j'arrête de présenter toutes les émissions !» Même le lendemain, il s'est dit « Ouais, je suis allé un peu loin quand même, là. » J'ai l'impression de me voir quand j'avais 5 ans, je fais « Eh, si ça continue, j'arrête de respirer !» Bon, mais la prochaine fois, je le fais, je vous préviens. Et en même temps, je le comprends, parce que d'un certain côté, il avait quand même envie d'aider son chroniqueur, tu vois, il était peut-être inquiet pour lui, il fait « Ça va, Gilles ?» Et l'autre, avec son pansement, « Bah... tu m'as quand même envoyé vers le diable, mais bon... » Avec Joe Star derrière, c'est « Tu vas t'excuser ?»« Oh non, je vais pas m'excuser, attends, je vais refaire, parce que c'est pas dans le bon sens. » Avec Hanouna derrière, qui essaie de convaincre Joe Star, « Tu vas t'excuser, mon pote ?» Et lui, « Oh non, je vais pas m'excuser, non. Mais par contre, je peux faire un bisou magique. Et c'est là que je m'arrête. Hey Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public qui était présent derrière ce soir. Un grand merci, vraiment. Rendez-vous tous les mardis à 18h sur YouTube, tous les jeudis, vendredis, samedis, ici à l'Apollo à 21h30. Et les mardis pour l'Inglorious Comedy Club. Merci.